Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour une nouvelle découverte sur la chaîne des Jeux du Cygne. Cette fois, le jeu, ce sera The Rogue Prince of Persia, qui s'est vu être amélioré, notamment graphiquement. Donc, c'est quoi comme type de jeu? C'est un roguelike un peu comme Dead Cells. Voilà, c'est un Dead Cells-like, dirons-nous. Il est à 19,99€, développé par Evil Empire, édité par Ubisoft. Il se joue en solo, manette recommandée, mais jouable au clavier souris. Et les textes sont en français. Voilà, on va se lancer directement là-dedans. Viens, voyageur, assieds-toi, repose-toi. Tes jambes sont fatiguées. Et écoute l'histoire de la grande guerre de Perse. Alors, je recommence une partie de zéro pour vous voyez le début du jeu. C'est une histoire de Perse et de Huns, car leur histoire est aussi la nôtre. Il y a bien longtemps, par un jour aussi sombre que la nuit, des profondeurs des froides steppes du nord... si vous entendez pas de musique, c'est normal, il n'y en a pas encore. Les hordes de Nogai, le Hun, portées par une étrange et sauvage magie, s'abattirent sur le puissant royaume de Perse. Le destin du royaume allait reposer sur les épaules d'un homme qui voulait se montrer digne de son titre. A prince. Un prince dont le secret ferait de lui l'arbitre du destin de son peuple. Un prince de Perse. Prince of Persia. Bravo. Evil Empire. On va pas passer, évidemment. Ubisoft, voilà, l'éditeur, normal, hein, c'est Prince of Persia, c'est à eux. C'est nous, c'est Jackie. Et ça, c'est le méchant. Si jamais vous l'avez pas remarqué. Qu'on s'est fait éclater. La ville morte. Ok. Donc voilà notre personnage. Voilà un peu. C'est très joli. Ce petit côté de dessin. Aïe, ma tête. J'étais en train de combattre. Les Huns. Père et mère doivent avoir envoyé l'armée affronter la horde à l'heure qu'il est. Je devrais pouvoir voir la bataille d'en haut de cette colline. Si je me dépêche, je peux rejoindre avant qu'elle ne soit finie. Alors, vous avez... Donc, on a quoi? On a un wall jump, on peut grimper au mur, on peut évidemment taper, on a un coup de pied, on a un dash, on a un truc qui nous permet de marcher sur les murs. Une touche qui nous permet de marcher sur les murs, tout ça, tout ça. Et de quoi se soigner. Hop. Maintien LT, voilà. Hop, vous voyez, on peut courir sur les murs. On maintient LT sur la manette. Donc pas non plus pendant 8 heures, hein. Mais on peut, voilà, comme ça. Hop. Hop là. Hop, le petit wall jump. Vous voyez, c'est très très fluide, hein, ça va assez vite. Hop. Hop. Voilà. Oups. Hop. 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 Alors, il y aura certainement beaucoup de choses cachées dans les niveaux. Parce que vu que il y a possibilité avec ce fameux LT de bien se balader. Donc moi je dis qu'il y aura certainement des choses cachées dans plein de niveaux. Mais on le saura à ce moment-là. Ah prince, vous êtes réveillé. La ville, que se passe-t-il? Les Huns ont lancé l'attaque. On dirait qu'ils sont arrivés jusqu'au
palace, à en juger par les dégâts. Mais c'est impossible, je viens juste de combattre Nogai. Même le plus vif des guerriers n'aurait pas pu atteindre la ville si vite. L'armée de mer devrait les avoir arrêtés. Je crains que les Huns n'aient balayé l'armée perse de votre mère. Les reines presque aussi vite que Nogai vous a vaincu Prince. Mais ne vous en faites pas, je suis là pour vous aider. Toi, mais tu n'es pas perse. Pourtant, tu as l'air d'être un... Tu n'as pas l'air d'être un Hun non plus. Je m'appelle Pahashi et je fais beaucoup de chemin pour vous trouver, prince. C'est moi qui vous ai emmené en lieu sûr après votre stupide combat contre Nogai. Panakai. C'est comme si vous n'aviez pas réfléchi au danger de sa magie noire et corrompue. Certains appellent ça de la bravoure, d'autres de la stupidité, mais je... Merci pour ton aide, Pahashi, mais il n'y a pas de magie ou de Hun sur cette terre qui pourront m'arrêter. Maintenant que je connais leur nouveau tour, c'est moi qui les aurai le dessus la prochaine fois. Leur tour ? Prince, vous avez passé les 3 derniers jours à vous remettre de leur tour. 3 jours ? Non, c'est impossible. Kain, mère, père, faut que je trouve ma famille. Hop ! Évidemment, on peut, hop, en faisant bas et saut, quitter les plateformes, hein, ça c'est connu dans ce genre de jeu. Hop ! Voilà. Donc on nous les attaque, paf, pouf, pif ! Aïe ! Esquiver avec RT pour bondir, exploiter l'environnement, LT afin d'esquiver les attaques ennemies. Hop. Hop là. On peut passer au-dessus des ennemis. Hop. Bravo. LB pour se soigner. Hop là, j'ai utilisé ma seule potion de soin, bravo à moi. Alors, il y a le coup de pied, regardez ça. Oups, j'ai loupé, j'ai échoué, paf. Et en fait, ça l'a mis KO. Voilà, vous pouvez mettre KO les ennemis en leur envoyant des trucs à la tronche, paf, pouf, pif. Voilà, on peut les mettre KO quand on les balance ici contre le mur. Les soldats de mer, ils sont maigres. Cette mystérieuse étrangère, Pahashi, elle disait vrai, j'ai raté la bataille. Paix et bravoure sur toi, frère, tombé au combat. Avec ton arme, je te vengerai. Donc, on peut s'équiper d'armes hein, qu'on trouvera par terre. Et donc ça, c'est bah voilà, une nouvelle arme. Et le B, c'est un outil qu'on aura plus tard. Donc évidemment, les armes, elles ont toutes des stats, des compétences. Ça, on connaît. Maintien X pour le coup spécial. Donc elles sont le coup spécial de cette arme, c'est un gros dash en avant. Hop. Là, petit dégât de chute. Alors évidemment les piques, hein, ça vous fait des dégâts. Et j'avais besoin de vous le dire, je ne sais pas, mais voilà, ça fait des dégâts. Lâchez-le. Hop. Hop là. Hop là. Allez. Hop là. Hop. Donc évidemment on gagne des pièces d'or qu'on pourra échanger. C'est un cataphractaire d'élite de mer, ils sont toujours armés jusqu'aux dents. Et pourtant ils se sont fait tuer par ces barbares. Et les buveurs de lait de cheval. Je ferai bon usage de son arc. Ok, donc ça c'est des armes que vous allez avoir tout le temps. Donc voilà, on a l'arc ici et vous voyez que on a un certain nombre de munitions. Hein, on a une jauge là, 120. Et un tir ça coûte 40. Les outils consomment une barre de potion d'énergie. Frapper les ennemis avec l'arme principale permet de régénérer cette énergie. Pas non plus d'un milliard mais... Donc attention, on ne peut pas utiliser notre attaque B n'importe comment. Coup de pied et aura protectrice. Certains ennemis ont une aura de protection. Ils sont entourés de bleu, les rendant résistants aux attaques insensibles au coup de pied. Briser les auras protectrices, utiliser le coup de pied pour projeter un objet sur un ennemi et une aura protectrice permettra de le briser. Paf.
Alors on peut les envoyer dans les pics, hein, les ennemis, évidemment. Voilà. La preuve en image. Hop là. Taper un ennemi, le pousser sur un ennemi, les KO. Voilà. Hop là, et on se calme. Il y avait des pics. Alors lui par exemple, il va être très très chiant à tuer parce que on ne peut rien lui faire. Il fallait lui envoyer un de ses potes sur le rable pour pouvoir le tuer. Hop. Hop. Oui, parce que les ennemis sont des objets. Le saviez-vous? Voilà. Hop. Aïe. Saute. Mais pourquoi je peux plus sauter? Merci. Mais mon perso fait n'importe quoi. Voilà. Je sais pas ce qui s'est passé là avec mon perso, mais il faisait n'importe quoi. Dégage. C'est bien mec. Dégage. Hop. Pas très grave. En avant. J'ai vu les soldats morts, Pachi, tu avais raison, j'ai raté la bataille. Alors oui, la musique. Bon, c'est la musique. Hein. Alors qu'allez-vous faire, prince? Les 3 jours se sont écoulés, je dois retrouver ma famille, tuer Nogai et mettre fin à cette invasion. J'imagine que votre frère, votre mère et votre père sont encore quelque part dans la ville. Vous devriez pouvoir trouver Nogai dans le palais. Merci, Pachi, je trouverai un moyen comme toujours. Alors bonne chance, prince de Perse. Nous reverrons bientôt. Allons à l'aqueduc en ruine. Et réagir. Voilà un peu hein, les niveaux. Bon, vous connaissez hein, Dead Cells, tout ça, tout ça. La progression de notre personnage, quand on arrive au bout, eh bien, il y a le boss. Ok. 4e jour, après-midi. On peut se soigner, donc on va le faire. Ça nous rend notre potion de soin, ça nous soigne pas totalement, on l'a vu. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Ces cendres sont bizarres, quelque chose brûle à l'intérieur. Ça ressemble à de la magie noire 1, une sorte de résidu peut-être. Elles peuvent peut-être servir à quelque chose. Les cendres d'âme peuvent être dépensées à l'oasis afin de débloquer de nouveaux objets. Bah tiens, pour les nouveaux runs, comme un Dead Cells. Les cendres d'âme peuvent être obtenues dans différents niveaux sous forme de collectibles. Hop là, une monnaie. Interagir. Ah, les cendres, elles réagissent avec cet hôtel. Mais où vont-elles? Sauvegarder les cendres d'âme. Les brasiers des âmes envoient instantanément les cendres d'âme collectées à l'oasis. Briser un brasier des âmes libère des cendres d'âme, mais empêche de les sauvegarder. Donc en fait, si on meurt, on les perd. C'est ce que ça veut dire. Avec du camp, oui, donc ça, c'est les TP. Hein, on connaît ce genre de TP. Quand c'est vraiment un Dead Cells. Hein. Si vous avez joué à Dead Cells, on va dire que c'est le même jeu parce que c'est pas vrai. Mais le principe est exactement le même. Le grand aqueduc, premier chantier de mon papa. On dirait que les 1 ont aussi laissé le chaos ici. Il faut que je trouve Nogai et que je l'arrête avant qu'il ne réduise tout ensemble. Souffle de Vayu, effet et activation. La jauge du souffle de Vayu est visible sous la barre de vie. Exécuter des actions spécifiques telles que des acrobaties parfaitement timées a pour effet de remplir la jauge. Une fois rempli, le souffle de Vayu s'activera et augmentera la vitesse du prince. Donc c'est la barre... est-ce qu'on voit la souris? Non. Si. Là. Cette barre-là. Le souffle de Vayu. Bravo. Voilà, regardez. Voilà. Thank you.
là. Hop là. Wow. Aïe, bravo. Bravo. Olé. Aïe, 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 aïe. Alors, est-ce que j'ai dit que j'étais bon dans ces jeux-là? Je suis un gros caca. Hein. Vous voyez, là, j'en ai 20 de sauvegarder et 14 qui me restent à sauvegarder. Donc là, j'en ai 18. En tout, j'en ai 38, mais si je meurs, en fait, j'en aurai que 14. Je peux pas remonter là. Y'a quoi là? Y'a rien. Hop. Merde. Gros nul. Ok. Ok, on peut pas descendre là. Un petit épais. Il va y arriver. Ne vous inquiétez pas, je vais y arriver. C'est marrant ça. Comment on fait déjà pour passer? Je ne sais plus. Là, je ne peux pas atteindre ça. Et il veut pas que je descende. Donc il veuille que je me téléporte. Voilà, donc là, si on fait ça, hop, on se téléporte. Hein. Ça, c'est connu. Hop là. Pas assez de médaillons. Pour faire quoi? Je sais pas. Ah si, d'accord. Bah oui, évidemment. Ça sert à rien. C'est ça que je voulais faire. Pourquoi il voulait pas le faire là? Voilà, c'est ça que je cherchais à faire depuis tout à l'heure. Voilà, c'est bon. Yahoo! Il s'est pas cassé les chevilles, tout va bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Un encensoir à la place de la dague. Attaque spéciale, embrase les ennemis pendant quelques secondes. Critique, troisième coup du combo sur les ennemis enflammés. Essayons ça. Le mec se bat littéralement avec des encensoirs. Normal. Alors après, chaque arme aura ses propres specs. Donc, à savoir si vous les préférez ou pas. Lance un disque. Prenons le disque pour voir un peu ce qu'il donne. C'est, après, ce sera comme dans Dead Cells. Hein, il y a des armes que vous allez préférer, d'autres pas. Aïe. Je vais bientôt mourir, moi. Ah mais ça me fait des dégâts aussi, ça j'avais pas testé celui-là.
Il me fait des dégâts aussi, d'accord. Ah, c'est un peu de la merde alors le disque, hein. Évidemment, on connaît Prince of Persia avec ces petits trucs qui nous qui s'effondrent. Ah, il faut vraiment faire attention quand on utilise les disques par contre. Wouhou! Pas passé loin de la catastrophe. Hein. Okay. On vient trouver un brasier des âmes. Personnellement. Ça me paraît un bon moyen de passer. Oui! Elle a trouvé un niveau. Donc c'est ça, hein, il faut passer de niveau en niveau pour débloquer des choses. Ok. Oui! La sauvegarde. Tendre à m'envoyer à l'oasis. Bérude, personne ne franchit ces remparts sans mon autorisation. Mais je ne serai pas la... ce ne serait pas le général Bérude. Le prince. Mais comment? Tu es tombé devant Nogai. Il dirait que je ne suis pas tombé assez bas. Imbécile, cette fois je verrai à ce que tu restes à terre, comme le chien que tu es. Je suis fait laver le cul. Tout va bien. C'est normal hein, de perdre dans ces jeux-là. Hop là! De retour au même endroit où je me suis réveillé la dernière fois, c'est-à-dire... à l'Oasis! On dirait bien que c'est ici que Pahashi m'a soigné après mon combat contre Nogai. Si seulement je m'étais pas évanoui depuis le palais, j'aurais pu stopper l'invasion. Maintenant, je sais quoi à quoi j'ai affaire. Encore un échec en seulement quelques jours. Il n'y a pas, et il n'y en aura pas d'autres. 3 jours depuis le début de l'invasion de la cité. Vive. Des choses qui vont se débloquer, hein. Évidemment. Dans ce genre de jeu, on connaît. Pahashi, bon retour parmi nous, prince. Êtes-vous mort en héros? Chi, comment es-tu arrivé ici? Pour la plupart des gens, prince, le temps est comme un fleuve. Il coule rapide et sûr dans une direction. Bon, par contre, il tourne en rond comme un tourbillon et dans le trou noir au fond se trouve le bola que vous portez autour du cou. Tu parles de mon pendentif, mais personne ne connaît son pouvoir. Je connais bien votre bola, prince. C'est mon père qui l'a fabriqué et vous l'a donné quand vous étiez bébé. Ici, j'ai pratiqué un rituel pour que tout ce qui se trouve dans l'oasis y reste et échappe à la boucle temporelle créée par votre bola ou votre pendentif, comme vous dites. Mais même ma propre famille ne reconnaît pas son secret. Et il en sera toujours ainsi, prince, aussi longtemps que vous le voudrez. J'espère pouvoir te faire confiance, Pahashi. N'ayez crainte, prince, cette oasis soit pour un lieu de repos et de réflexion. Maintenant, vous partez, votre famille et votre peuple attendent votre retour. Allez.
Voilà, donc ici on va pouvoir acheter des nouveaux objets, des nouvelles compétences, tout ça, tout ça. Et... voilà. Donc on peut interagir ici, donc en achetant, enfin en ayant des... en battant des... en ayant cette ressource, on va pouvoir acheter des choses, des bonus. Ici, on peut acheter les fameuses ressources. On peut mettre ici. Donc, jusqu'à 40 cendres d'âme sont envoyées à l'oasis au moment de la mort, au lieu d'être perdu. Ça, c'est fort. Augmente de 30 les points de vie maximum. Augmente l'attaque en piqué, ok. Oui. Et après, c'est un niveau. Donc, on va... en acheter. Voilà. Hop. Et on va acheter ici ça. 30 points de vie. L'attaque en piqué peut briser les auras protectrices. Ouais, mais nous on veut des PV. Si une potion relâche un nuage de poison. Ah, on peut faire des proutes. Réduit de 2% les dégâts reçus par les attaques à distance. Réduit de 5% les dégâts subis lorsque le prince est dans l'eau. On augmente de 20% les points de vie soignés par les potions, c'est fort aussi. Allez, on y va. Et après, vous voyez, hein, il faut 100... enfin, on va débloquer de plus en plus de pouvoir au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu. Et on débloquera des nouvelles armes et des nouveaux trucs et des nouveaux trucs et des nouveaux machins. Devenir de plus en plus fort. Et quand on sera au niveau max, eh bien, on aura fini le jeu. Je me demande si Azadé va bien. Personne au village n'est plus coriace qu'elle, mais les uns ne sont pas réputés pour leur clémence. Elles sont tellement plus rapides et vicieux que la dernière fois que nous avons combattu. Comment ont-ils fait pour nous prendre de surprise? On aurait sans doute pu faire quelque chose. Donc, voilà, là c'est des armes qu'on a de débloquer. Voilà. Alors c'est pas forcément les armes qu'on a quand on termine le jeu, en fait il va vous donner une sélection d'armes et d'équipements que vous avez débloqués. Un si petit objet et pourtant toute cette magie. Père détresté voir ça, il craint ce genre de magie. Je pense qu'il comprendrait quand même que je suis un peu dépassé par le nombre ici. Les médaillons, effets et combinaisons. Les médaillons sont des objets puissants, ayant chacun un effet particulier. Certains ont une condition d'activation, ce qui doit être rempli afin de bénéficier de l'effet. Les effets peuvent être combinés ensemble. Les médaillons ne durent que le temps d'une run. Donc une fois qu'on a perdu la run, on perd le médaillon. Il est donc nécessaire d'en trouver de nouveaux à chaque run. Une bonne gestion du nombre de leurs effets est essentielle pour obtenir des combinaisons puissantes. Esquive répond de la résine. Et la résine, ça s'enflamme. Voilà. Par exemple. Hop, évidemment, le niveau a changé. Hein. Par rapport à la première fois qu'on l'a fait, hein, parce que c'est, sinon ce serait trop facile. Aïe, je l'ai vu, hein. Hop. Mais... merci. Hop là. Donc l'or, hein, va servir quand on va croiser des marchands. Chukra, comment vas-tu? Comme sur des roulettes, mon garçon. Rien qu'un vieux soldat ne puisse affronter. On ne peut pas en dire autant de ces pauvres uns, par contre. Ils sont pas normaux, ces uns. Ils se battent comme des malpropres, sans aucun sens de la survie. Une étrange énergie les anime, quelque chose de surnaturel. Mais où étais-tu, mon garçon? On ne t'a pas vu pendant des jours. Ta mère va être ravie de savoir que tu vas bien. Je pensais que les uns t'avaient eu. Léa m'avait bien eu, Chukra. J'ai affronté le chef Nogai. J'étais en train de m'en remettre. Chukra,
Tu devrais aller à l'oasis de l'autre côté du village. C'est un endroit sûr. Je vais à la ville pour savoir ce qui se passe. Attends-moi là-bas. Tu ne veux pas que je t'accompagne ? Nous allons avoir besoin de tes bras pour forger, pas pour combattre, mon vieil ami. Bien sûr, mon prince. Un petit instant, j'aurais dû étirer mes vieux os ce matin. Et voilà, donc on va avoir forgeron. Je vous l'ai dit, il va y avoir évidemment plein de mécaniques qui vont se débloquer au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu. Et ça, on connaît. Hein. Allez, vas-y. Vas-y. Hop. Voilà. Premier soin, soigne une petite quantité de vie. Ramasse. Allez, vas-y. Hop là. Un TP. Ouf. Wow, on se calme les Jackie. Hop. Hop là. De martyriser les gens. Maintenir pour ouvrir votre sac. Remplir le sac. Éliminer les ennemis permet d'obtenir les médaillons. Les médaillons sont aussi obtenus et sont stockés dans le sac. Maintenir haut enfoncé pour ouvrir votre sac et découvrir son contenu. Les attaques sur les ennemis ayant au moins 80% de leur point de vie sont 20% de chance d'enflammer la cible. C'est fort. Surtout si on répand de la résine. Yes, un nouveau perso. Azadeh, vous êtes en vie. Comment allez-vous ? Votre Altesse, quelle joie de vous voir. Je ne sais pas comment je me suis tiré, mais je vais bien. Les uns ont balayé le village comme une tempête de sable. Ils étaient partout et sont venus du camp des uns. Ils n'aimaient pas trop faire de prisonniers. Les villageois ont pris la fuite et l'un de ces démons m'a assommé. Les autres ont dû me prendre pour morte. J'attendais des survivants, mais on ne peut pas dire que j'en ai vu beaucoup. Vous devriez trouver refuge ailleurs, Azadeh. Les uns rôdent encore dans les parages. Je recherche les fuyards. Hors de question, Altesse, je suis chez moi. Je serai donné d'années si je ne meurs pas ici. Mais il y a une chose que vous pourriez faire. Envoyez ces brutes de 1 en enfer. Je le ferai, Azadeh. Je vous vengerai tous, je le jure. Vous aurez peut-être commencé par retourner au camp des 1. Au lieu de débloquer le camp des 1. Un nouveau niveau. Bravo à nous. Mais il va se calmer, Jackie la frite, là. Oh, on l'a enflammé. Cool. Paf. Pouf. Allez, dégage. Ça me fait tellement rire de balancer les gens comme ça. J'ai demandé une esquive. Alors, on va peut-être se soigner. Wouhou ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? Ok, interagir.
Est-il dans cette maison? Oh! Perforation risquée. Tant que les points de vie sont en dessus de 30%, les chances de critique augmentent de 20%. Ouais. Attaque en piqué, les dégâts. Ok. Tant que l'énergie est de dessus de 80%, les attaques ont 30% de chance d'enflammer la cible. Quoi que j'ai chopé là? Assaut performe les attaques sur les ennemis ayant au moins 80% en 10% de chance de succès critique. Ah, je ne peux en avoir que 3. Je vais prendre ça. Sachant que, évidemment, vous allez en débloquer des nouveaux, là on l'a vu. On va pouvoir en avoir jusqu'à 9 ou 12. Nul. Alors, mais bref. Ah, quel con, c'est la mort. Le saviez-vous? Pas encore. Encensoir, niveau 2, 104 de DPS. Ah mais j'ai sacrifié des PV. Ah mais comme j'ai pas le taux de PV. Oh mais quel talent. Ah non, c'est des PV max que ça m'a enlevé. Ok, c'est des PV max. Mais je suis con, ils avaient des barrières. Imbécile. Imbécile. Hop là. Trois jours depuis le début de l'invasion. Hop là. Alors, il est où le forgeron, il est là. Interagir. La forge. Vous pouvez dépenser des cendres d'âme pour Shukra, fabrique de nouvelles armes et outils. Les équipements ainsi débloqués pour être retrouvés équipés durant vos prochains runs. Des cestes, des machins, des javelots et un râtelier d'armes. Augmente de 1 le nombre d'armes disponibles dans le râtelier d'armes début de run. Et ça, c'est fort. Un nouveau forger réconfortant, Shukra. C'est grâce à toi, mon garçon. Autrement, les 1 auraient fini par me jeter en pâture au charognard. J'ai rencontré ton ami Pachi. Où l'as-tu trouvé? En fait, c'est plutôt elle qui m'a trouvé. Ou plutôt qui m'a sauvé. C'est bien d'avoir des amis sur qui compter ces temps-ci. Mais c'est quoi cet engin qu'elle a mis au beau milieu de l'oasis? Shukra, il faut que je te dise quelque chose. Si j'ai de mon pendentif. L'engin de Pachi sert à préserver l'oasis de la magie de mon pendentif. Pendentif magique, qu'est-ce que tu racontes, mon garçon? Chaque fois que je meurs, il me ramène au dernier endroit où je me suis endormi. Pardonne-moi d'avoir gardé le secret, mais je ne l'avais jamais dit à personne, pas même Shine. Mon garçon a tous des secrets, toi, moi, mon père, en fait, il est temps que je te révèle un des miens aussi. Quoi fais-tu allusion, mon vieil ami? Ma forge, tout ce que je sais, tous les tours que j'ai dans mon sac, ils sont à toi, utilise-les pour sauver notre peuple. D'abord, il faut une bonne arme. Il est encore mieux si, si elle est meilleure que celle de ton ennemi. Ah oui, vaut mieux, ouais. On dirait que Shukra ne prend pas ça au sérieux. Voilà, on propose... Voilà. Pachi, ces médaillons que tu portes, ils me disent quelque chose. Vous les avez sans doute vus un peu partout dans le pays. Ils sont des propriétés magiques, et même s'ils ne sont pas aussi puissants que votre Bola, ils n'en sont pas moins utiles. Mon Bola, tu veux dire mon pendentif? Ce n'est pas un pendentif, c'est un Bola. Mais ces médaillons, il y en a d'autres? Bien sûr, je peux en fabriquer d'autres, mais pour ça j'ai besoin de cendres d'âme. Je t'apporterai des cendres d'âme. Un esprit vous remercie. Est-ce que les esprits disent autre chose? Ils demandent si on pouvait trouver un bon kebab au poulet dans le coin. Mais j'aurais dit que ce n'était pas le moment. Voilà.
des nouveaux machins, des nouveaux pouvoirs, plein de nouveaux pouvoirs. 52, j'en ai 38. Plutôt des armes, je pense. Hein. Donc voilà, donc ça, c'est les médaillons qu'on peut avoir dans le jeu. Et après, il y a les améliorations des médaillons. Allez! Ça, c'est les armes que j'ai déjà trouvées. Ça, c'est les outils qu'on a à disposition. Javelot, après le dernier coup de combo. Vas-y. Hop là, 38%. Hop! Le Candéen nous a dit qu'on devait y aller. Donc allons au Candéen. Donc après il faut tout explorer. Hein. Le Candéen, le village qui va t'emmener encore autre part, encore autre part, encore autre part. Et vous allez débloquer plein de niveaux. Comme un Dead Cells, hein, ni plus ni moins. Le Candéen. Pachi n'aura pas besoin de me sauver cette fois. Connais-toi toi-même et connais ton ennemi, et tu ne connaîtras pas la peur. Dis toujours mère, je connais bien mon ennemi maintenant. Mais préparez-vous les uns, je vais vous montrer ce dont le prince est vraiment capable. Ok. Le grappin tient les ennemis et l'étourdit. Les petits cons là. Dégage. Hop là. Un peu de soin hein, parce qu'on a déjà pris cher. Interagir. Je ne pensais pas trouver un prisonnier dans le camp des 1. Qui es-tu ? La question n'est pas de savoir qui je suis, prince de Perse, mais plutôt qui tu es. Je n'ai pas le temps pour les devinettes. 1. Dis-moi qui tu es ou je te laisse moisir ici. Mon nom est Nyamtour. Je suis le premier conseiller du mentor de Nogai pour tout ce qui est attrait au chamanisme. Ou plutôt j'étais. La corruption, ça vient donc de toi. Pas vraiment. J'ai prévenu Nogai qu'il mettait des choses, se mêlait de choses qui le dépassaient. Pour me remercier de mon manque d'enthousiasme pour cette invasion, il a ordonné mon exécution. Heureusement, aucun des uns n'ose me tuer. Ils ont peur que ma mort libère l'esprit maléfique sur eux. Alors, ils m'ont enchaîné ici. Je pourrais avoir besoin de quelqu'un qui connaît Nogai et ses nouveaux pouvoirs. Je te propose un marché. 1. Révèle-moi les faiblesses de Nogai et en échange je te libère. C'est une offre intéressante, prince, mais j'ai encore une meilleure. Je te livrerai les secrets de Nogai et de ses généraux et de toute sa horde. Par contre, si tu me libères, tu vas devoir retrouver mon livre des crânes. Nogai l'a caché dans le camp, trouve-le, rapporte-le-moi et ensemble nous l'arrêterons et mettrons fin à cette invasion. Marché conclu, Nyamtour. Donc là, on doit aller rechercher le livre des crânes pour libérer Nyamtour. Ouf. Mais quel... Pourquoi il a sauté direct ? Hop. De quoi ? Ah, de l'armure. Consommer une potion... Oh ! Réduire les dégâts pendant 6 secondes. Rapport d'éclaireur, liste de butins des comptes des crânes. Ça doit être un des avant-postes d'un officier.
Raid sur le général Beyrouth à l'académie réussi. Prisonnier envoyé au quartier sécurisé. Prisonnier de l'académie ? Pourtant, les 1 font rarement des prisonniers. Je me demande ce que ça veut dire. Académie des astres. Carte mentale. Voilà. La carte mentale regroupe les informations importantes que vous avez collectées. Certaines informations peuvent être liées entre elles. Donc. Voilà. Donc, quelqu'un a été capturé. Quand des 1, Beyrouth a capturé quelqu'un à l'académie. On doit aller le sauver. Beyrouth, gna gna gna. Et au fur et à mesure, on va compléter cette carte mentale. Ça va. Il a une grosse armure, le monsieur, non ? Alors. Nickel. Voilà. Ok. Oh, de l'or. J'aime l'or. Pour le moment, elle nous a toujours servi à rien, l'or, mais c'est pas grave. Pouf. Allez hop. Alors, un livre. Livre des crânes. Ah, en équipe. Donc là, il faut que je retourne à Niamtour. Allez, hop. Hop. Niamtour, il était là, hein. Tout à fait. Hop là. J'ai votre livre des crânes, Niamtour. Mais qui voilà le prince qui aide un chaman. Mais attends, tu es déjà libre? Évidemment, le livre était un test et tu as réussi, bravo. Ta récompense, le meilleur chaman 1. Tu devrais sortir de là avant que les gardes trouvent... Nous trouvons, il y a une oasis. Juste de l'autre côté du village. C'est là que se trouve votre camp. Mais comment le sais-tu? Ne t'en fais pas, prince. Je garderai le secret de l'oasis. Bon, bah lui, il va pas me prendre la tête. Le gars, il disait ça aussi. Et voilà. On a un nouveau perso. Alors, on va se suicider. Pour qu'on puisse aller le voir. Voir ce qu'il nous propose. Comme objet. Et on s'arrêtera juste après. Voilà ce que vous aurez vu. Un petit peu la progression. Alors moi, des fois, je fais exprès de mourir. Mais c'est pour vous montrer un peu tout ce qu'on peut avoir. Paf. Si on fait gaffe, évidemment, on va bien plus loin. J'ai trouvé une lettre au camp des 1. Beyrouth a attaqué l'académie et a fait des prisonniers. Pendant pas dans les habitudes des 1. Les 1 doivent avoir une idée derrière la tête, en faire une monnaie d'échange, essayer de liguer l'un des nôtres contre nous. Peu importe qui sont les prisonniers, ils pourront peut-être nous aider, je dois les sauver.
Alors, il est où, lui? Notre ami le 1. Évidemment, même s'il n'est pas à son poste, on peut améliorer ça. Hein. Il est là. Je vois que tu as fait comme chez, que tu fais comme chez toi, Niamtour. On dit la maison est là où se trouve le cœur. Il est ici maintenant. Je te remercie d'avoir retrouvé mon livre. Je t'offre tout ce que je sais pour t'aider dans ta quête à conquérir ton royaume. Je suppose que ça peut être utile. Mais on a toujours dit qu'il fallait connaître l'ennemi et se connaître soi-même. Ah, mais te connais-tu toi-même, prince? Je pourrais te demander la même chose, deuxième tour. Qui me dit que ta loyauté ne reviendra pas au 1 à un moment crucial? Même si j'ai pu conseiller Nogai par le passé, ma loyauté, comme celle de mon ami Patchy, va bien au-delà du royaume des mortels. Nous sommes tous des pions dans le grand jeu des esprits. Mais revenons à nos moutons. Les esprits de certains guerriers 1 ont besoin, disons, d'être libérés. En échange, je te parlerai de la horde de Nogai. Marché conclu, neuvième tour. Ah, voilà qui marque ce qui semble être le début d'une belle amitié. Donc, voilà, on peut ici avoir des infos. Et une fois qu'on a tué 30, on gagne des âmes gratuitement. Hein, voilà. Il faut les tuer. Hein. Des pangolins! Phaser, des brutes, voilà. Avec ça, c'est tous les ennemis du jeu. Entre autres. Là, et tuer 45 hachettes, donne 5. Et après, évidemment, on aura d'autres objectifs hein, pour gagner toujours de plus en plus de cendres d'âme. Voilà, voilà. Tac, tac. Hop là! Mais nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, vous avez vu un peu ce jeu. Donc ce jeu, ça va être... eh bien, on fait toujours la même chose, et 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 la même chose, jusqu'à débloquer, aller de plus en plus loin, tenter d'aller de plus en plus loin, aller tuer des boss, avancer, avancer, avancer dans le sang et les larmes, comme un Dead Cells. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye!